Comment ça va? Vous êtes qui? Oui. Juste. Qui je suis? Je pensais justement me présenter. Mon nom est Gott. Michael Gott. Je suis médecin. Vous pensez que je suis malade? Non. L'êtes-vous? Vous voulez quoi? Oui, on ne vous a pas informé? C'est étrange. Certainement une négligence quelque part. Je suis sincèrement désolé. Je vais leur en parler. Vous êtes qui? Oui. Comme j'ai dit, je suis médecin. Docteur en médecine. Médecin, docteur. Diplômé en. En tant que. Répondez à ma question. Votre question? Quelle question? J'ai demandé qui vous êtes. Vous êtes qui? Je suis médecin. Médecin, docteur. Je crois que je l'ai déjà dit deux fois. En tant que médecin, j'ai été prié de vous rencontrer. Je dois effectuer un examen. Vérifier votre état de santé actuel, votre état de santé général, ce genre de choses, je suis là pour ça. Vous croyez en Dieu? Avez-vous des objections? À Dieu? Ou au fait que vous croyez en lui? Des objections à ce que j'entreprenne la mise à jour de votre bilan de santé. Vous appelez ça comme ça? Pardon? Vous appelez ça comme ça? Oui, je suppose. Quoi donc? Mise à jour. C'est ce que vous avez dit, non? Oui, exact. Je veux dire, vous avez quand même, malgré tout, vécu dans des circonstances assez exceptionnelles. Pendant... Oui, combien de temps cela peut-il faire maintenant? Depuis combien d'années, vous, ici? 6, 7 ans? 6, 7 ans. C'est malgré tout un temps assez considérable dans des circonstances aussi exceptionnelles. Qu'est-ce que ce serait d'autre si ce n'était un simple bilan de santé tout à fait normal que l'on m'a prié d'effectuer de mon mieux? Pas la torture? La torture? Quel âge avez-vous? Comment cela pourrait-il en être? Quel âge avez-vous? Je veux simplement contrôler la tension artérielle, le pouls, l'activité cardiaque, l'électrocardiogramme, les poumons, la vue, l'ouïe, etc. Éventuellement la tension oculaire, voir si vous présentez un quelconque symptôme de cataracte. Un bilan de santé tout à fait normal à ma connaissance. Rien d'inhabituel. Rien du tout. Quel âge avez-vous? C'est votre maman qui vous a acheté ces lunettes? Mon âge n'a pas d'importance. J'ai 36 ans. Pouvons-nous commencer? Vous seul pouvez commencer. Les malades vous gênent? Non. Et vous? Je sais pas. Je suppose qu'elles sont nécessaires. Mais cela semble un peu déplacé, peut-être. Vous vous habituerez vite? Vous habitez où? Pardon? Où j'habite? J'habite à...
J'habite à Cuxhaven. Pas Cuxhaven, hein, mais Cuxhaven. Une banlieue de Kassel, vous connaissez? Ah, vous croyez que vous pouvez m'amener à penser que vous êtes sympathique? Vous croyez que vous pouvez m'amener un instant à oublier qui vous êtes? Hein? Vous croyez que vous pouvez d'une quelconque façon m'amener à oublier qui je suis? Je crois que nous allons commencer l'examen. C'est tout aussi bien. Pour qui? Qu'avez-vous dit? Ah, vous avez dit que c'était bien. Alors je demande, pour qui? Pour nous deux. Me semble-t-il, ce sera d'autant plus vite fini. Avez-vous été là-bas? Où? Là-bas. Avez-vous été là-bas? Où ai-je été? À Auschwitz. À Auschwitz. Avez-vous été là-bas? Oui. Donc, je pense que nous allons commencer l'examen. C'est tout aussi bien. Que diriez-vous si nous commencions par examiner votre vue? Si vous regardez le tableau là-bas, auriez-vous l'amabilité d'essayer de lire les caractères de l'avant-dernière ligne tout en mettant votre main gauche sur la gauche? Y avez-vous été ou pas? Oui, évidemment, j'ai été là-bas. J'ai été là-bas en tant que visiteur pendant mes études. En tant que visiteur? Vous êtes sûr? Oui, cela fait bientôt 10 ans. Auriez-vous l'amabilité d'essayer de lire l'avant-dernière ligne en partant du bas du tableau tout en gardant votre main gauche devant l'œil gauche? Cela ne prend pas longtemps. Que pensiez-vous? De quoi? À Auschwitz, c'était bien agréable? À Auschwitz? Ouais, pensiez-vous que c'était propre et bien, assez bien organisé dans l'ensemble, compte tenu des circonstances? Je n'ai aucune envie de le décrire comme propre et bien. Comment auriez-vous envie de le décrire alors? Oui, comme... Je voudrais dire presque comme un lieu de commémoration historique qui invite le visiteur à... qui invite le visiteur au recueillement, à la sérénité face aux réalités du passé. Ça n'a pas dû être facile. D'ailleurs, qui se rend là-bas pour que ce soit facile? J'ai entendu ça si souvent, je ne ressens aucune culpabilité, ce n'est plus important. A. F. I. G. K. H. C. T. O. C'était la dernière ligne. Je vous ai pourtant demandé de lire la ligne qui se trouve au-dessus. Alors nous pouvons peut-être continuer avec l'œil droit. Pourriez-vous mettre la main droite devant l'œil droit et lire ce qui se trouve au-dessus de la dernière ligne? Quelle heure est-il? 9 h. 11 minutes, on dirait. Cela fait déjà 11 minutes que vous êtes ici. Du matin? Du matin? Pas du tout. Il est 9 h du soir, passé de 11 minutes. Vous croyez que nous étions le matin? Non. C'est le soir. Des tâches de ce genre, je ne peux m'en charger que le soir. Pendant la journée, j'ai une clientèle assez importante qui me prend tout mon temps. Vous croyez que nous étions le matin? Non. C'est le soir. Je vois dans votre dossier médical que vous n'avez rien mangé durant les 5 derniers jours. Est-ce vrai? Tout cela. Est-ce vrai? Oui. Pensez-vous que je suis jolie? Pourquoi ne voulez-vous pas manger? C'est pour ça que vous êtes ici. Ça les inquiète, que je meure. Qui donc? Ceux qui pensent que ce serait une bonne chose. Je ne sais pas ce qui les inquiète. Veulent-ils que je meure? Et vous, voulez-vous mourir? J'aimais Paris. J'étais heureuse là-bas. C'est bien la ville que je préfère entre toutes celles où je suis allée. C'est si beau là-bas! Nous étions libres, nous étions jeunes. Il n'était trop tard pour rien. Je pouvais ne pas dormir plusieurs jours d'affilée, parler avec des étrangers. Écouter de la musique, rire, baiser, je ne sentais jamais la fatigue. J'aimais la lumière, les odeurs, les voix, les mots doux, les discussions violentes.
J'attrapais une légère infection à la gorge à chaque fois que je suçais mon petit ami, je ne me souviens pas de son nom. C'est normal. Je ne crois pas que ce soit normal. Qu'on ne se souvienne pas du nom de son petit ami. Vous ne parliez pas de l'infection ? Non. Je parlais de mon petit ami. Heinrich, je ne me souviens pas de son nom. C'est une façon assez douloureuse et lente de mourir. Se laisser mourir de faim, je veux dire. Je veux dire, cela prend un temps relativement long. 3 mois. Plutôt 2, peut-être. Seulement 2. Ça va si vite. On doit bien pouvoir y parvenir. Évidemment, cela dépend de l'état général. Est-ce cela que vous avez en tête? C'est pour ça que vous êtes ici. Pourquoi donc? Pour leur donner l'autorisation de me faire manger de force. C'est ce que vous croyez. Vous croyez que c'est pour ça que je suis ici? Vous êtes médecin? Oui. Il ne manque que l'uniforme. Pardon? Je crois que nous allons voir votre ouïe. Je vais juste vous les mettre. Ça va? Bien, j'espère. Vous allez d'abord entendre un certain nombre de sons différents dans l'oreille droite. Lorsque vous les entendez, j'aimerais que vous me fassiez un signe. Vous pouvez lever la main droite éventuellement, ou dire là, ou simplement faire un signe de tête. Vous comprenez? Parfait. Maintenant, des sons dans l'oreille gauche. Oui, alors il ne semble pas y avoir d'écart plus important par rapport aux 7 dernières années. Vous n'avez aucun problème avec le grave et l'aigu. Il y a peut-être une légère baisse du registre moyen où se situe le niveau de conversation normal. Une faiblesse légère, mais incontestable. À quelle oreille? Oui, les deux. Je veux dire, après tout, vous n'avez que 33 ans. Pouvez-vous aller vous coucher sur la banquette là-bas? Je vais prendre la tension, faire l'électrocardiogramme et l'électroencéphalogramme. Non. Pardon? Je n'ai pas envie. Vous n'avez pas envie? Ok. Bien, parfait. Dans ce cas, autant nous arrêter là. Vous pouvez y aller. Y aller? Oui, bien entendu, je vais juste appeler le garde. Où donc? Pardon? Allez, où? Vous avez dit que je pouvais y aller. Où donc? Oui, retournez. Retournez? Oui. À la section des livres d'histoire. Je vous prie de m'excuser d'avoir ri, c'était déplacé. Mais cela n'a aucun sens que je vous demande de collaborer à une chose à laquelle vous ne voulez pas collaborer. Je dis rien tant qu'ils n'éteignent pas la lumière. La lumière? Quelle lumière? La lumière dans la cellule. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est claire. Elle est claire? Pourquoi n'éclairait-elle pas? Nuit et jour. Année après année. Toujours. Elle est claire, toujours, elle ne s'éteint jamais. Il ne fait jamais noir. Il y a toujours de la lumière, tout le temps. Vous comprenez? Ah bon? Vous comprenez?
Oui, je crois. Vous comprenez ce que je dis? Je crois. Il n'y a aucun endroit dans la pièce où il n'y ait pas constamment cette même lumière. Fermer les yeux ne sert à rien. Ils peuvent tout aussi bien me couper les paupières. Elles passent au travers, même si je mets une couverture ou un coussin. Ou un matelas sur la figure. Ça ne change rien si j'enroule un drap autour de ma tête. La lumière est aussi forte que celle du soleil de Crète en juillet. Je comprends, je dois dire que cela semble assez pénible. Vous n'êtes pas du tout obligé de dire que cela semble assez pénible. Vous ne pensez pas que cela semble assez pénible. Vous pensez que cela semble bien, bien. Pourquoi penserais-je que c'est bien, bien? Parce que vous leur avez dit! J'en parlerai, j'en ferai part dès que l'occasion se présentera. J'ai rédigé une note là-dessus. Sur quoi? Sur le fait que je dois me souvenir de leur en parler à notre prochaine rencontre. Que vous soupçonnez que c'est moi qui leur ai dit de laisser la lumière allumée nuit et jour. Je ne peux pas faire plus. Je pense que j'ai vu un rapport quelque part disant que vous aviez fait plusieurs voyages en Libye. C'est exact, n'est-ce pas? Est-il possible que ce soit à cette lumière que vous pensiez quand vous avez dit Crète? La lumière en Libye, pas en Crète, mais en Libye, est-ce possible? Oui, c'est moins important. Cela n'a aucune importance, absolument aucune en fait. J'ai simplement réagi parce que j'ai moi-même passé 3 semaines en Crète avec ma famille pendant les vacances de juillet. Beaucoup de cultures, de paysages, de sites historiques, de ravins, et bien entendu, la grotte du Minotaure, nous l'avons aussi visitée. Très intéressant, captivant. Dieu merci, il n'y avait pas autant d'Allemands que nous l'avions craint. Nous avons loué une voiture. Oui, voilà, bon. Voyons voir, où en étions-nous? Que faisait votre père pendant la guerre? Mon père? Il est mort. Que faisait-il pendant la guerre? Mon père, il était... Si nous devons parler de lui pendant la guerre, on lui a donné l'ordre, comme à tant d'autres, de participer aux efforts de guerre. Était-il aussi médecin? Oui. Il était médecin. Où avait-il sa clientèle? Il est mort en 1951. J'avais 3 ans à l'époque. Pourquoi ne voulez-vous pas répondre à ma question? Je pense que c'est une réponse à votre question. Je n'ai pas demandé quand il est mort. Je demandais où ses patients sont morts. Je veux dire que je n'ai pas, pour des raisons extrêmement compréhensibles, tellement d'informations concernant l'homme qui était mon père, que l'on devrait naturellement connaître sur un père, puisqu'il nous a quittés quand j'étais très petit. Je n'avais que 3 ans. Je ne le connaissais pas, j'étais un enfant. C'est un devoir moral de s'informer de leur travail et du prix qu'ils y attachaient? Évidemment, en général, tout à fait, c'est aussi mon avis. Nous devons tirer des leçons de l'histoire du passé. Si nous ne savons rien sur notre passé, nous avançons forcément à l'aveuglette, c'est évident. Personnellement, je n'ai pas eu la possibilité d'approfondir le passé autant que je l'aurais souhaité. Ma formation en médecine, une vie de famille avec 2 enfants à éduquer, ce genre de choses ont pris tout mon temps, en somme. Le temps manque tout simplement. J'ai aussi fait des études. Oui. N'était-ce pas en sciences politiques? N'est-ce pas pour cela que je suis ici? Maintenant, j'aimerais vraiment poursuivre l'examen de santé. Allons-nous essayer? Non? Je vous ai posé une question concernant la raison pour laquelle vous avez cessé de soigner votre hygiène personnelle. Il n'y a plus rien de personnel, finalement. J'imagine qu'il doit exister une dignité personnelle, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Vous ne vous sentez pas bien? Moi? Oui. Comment vous sentez-vous? Merci, je me sens parfaitement bien. Pourquoi demandez-vous ça? Vous transpirez. Ah, c'est possible. Vous ne le remarquez pas? Quoi donc? Vous êtes trempé de sueur. Oui, c'est possible. On manque d'air peut-être ici. La ventilation aurait peut-être pu être un peu meilleure. C'est une petite pièce. Avez-vous regardé la chaise? Quelle chaise? Sur laquelle vous êtes assis. Avez-vous remarqué que vous avez déplacé de quelques centimètres vers la gauche la chaise sur laquelle vous êtes assis? N'avez-vous pas remarqué
que vous déplacez successivement de plus en plus à gauche la chaise sur laquelle vous êtes assis et que vous vous détournez de moi pendant que vous essayez de me parler dans un effort désespéré pour être ici et hors d'ici. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est ce que vous faites. Pourquoi ferais-je cela? Pourquoi aurais-je fait cela? Parce que je détiens un savoir et que j'ai une conviction qui menace directement votre existence personnelle et sociale dans sa totalité. Vous? Absolument pas, au contraire. Au contraire. Déplacez-vous la chaise parce que je ne détiendrai pas un savoir et n'aurai pas une conviction qui menace votre existence personnelle et sociale dans sa totalité? Non. Je veux dire, de quelle façon pensez-vous pouvoir constituer la moindre menace pour mon existence personnelle et sociale? Vous êtes enfermé, vous êtes isolé, totalement isolé, vous êtes surveillé nuit et jour, vous êtes surveillé et observé en ce moment. Vous n'allez jamais quitter cet endroit, en tout cas pas vivante, humainement parlant. Humainement parlant, vous allez mourir ici. Moi non, je vais m'en aller d'ici dans, disons, une heure. Et je ne vais jamais revenir, humainement parlant. Dans un instant, vous allez me tourner tout à fait le dos et éclater en sanglots. C'est ce que vous croyez? Tout à fait. Nous verrons bien. Quel âge est-ce que j'ai? Oui. Ne savez-vous pas l'âge que j'ai? Si, je sais l'âge que vous avez. Quel âge avez-vous? 67 ans. Quel âge vous donnez-vous? 67 ans. Mes menstruations ont cessé, c'est normal. 67 ans, alors j'estimerais qu'il est grand temps. Bon. Vous écrivez ça. Quoi donc? Que vos menstruations ont cessé à l'âge de 67 ans? Que j'ai 67 ans. Vous écrivez ça? Que vous dites avoir 67 ans? Non, pourquoi le ferais-je? Je sais que vous n'avez pas 67 ans. Vous avez 31 ans. Vous avez le même âge que ma femme. Je connais évidemment son âge. Elle s'appelle Claire. La connaissez-vous? L'avez-vous rencontrée? Votre femme. Elle a l'habitude de boire un verre de vin blanc sec à 7 heures de la journée et de grimper dans le fauteuil du salon un verre de chardonnay pour regarder le journal télévisé. Et elle dit qu'elle ne comprend pas les gens comme vous. Elle pense que vous ne faites que vous révolter contre la famille. Comment auriez-vous pu la rencontrer? Vous ne fréquentez pas les mêmes milieux. Je vois à quoi vous pensez. Ah bon? Ah oui? À quoi donc? Vous pensez que vous auriez envie de me pénétrer. Vous pénétrer? Pourquoi en aurais-je envie? C'est pour ça que vous parlez de votre prétendue femme. En avez-vous envie? En fait, non. Non. N'en avez-vous pas envie? De quoi? Me pénétrer. J'ai envie de poursuivre l'examen, c'est la seule chose dont j'ai envie. Ah, j'ai plus envie de vous parler. Aucun problème, je peux vous examiner sans que nous échangions un seul mot. J'ai envie de parler à Willy Brandt. Je comprends. J'ai envie de parler à Willy Brandt, Helmut Schmidt. Henry Kissinger. Richard Nixon. Dans cet ordre. D'abord Willy Brandt. De quoi avez-vous envie de parler à Willy Brandt? De vous. Êtes-vous marié? Je vois ici que vous avez adressé une demande pour emprunter la pesanteur et la grâce de l'auteure catholique française Simone Veil. Répondez à ma question, bordel de merde. Votre question, laquelle? Vous êtes vraiment schizophrène? J'ai demandé si vous étiez marié. Oui, je suis marié. Je pense avoir dit que j'avais passé 3 semaines avec ma famille sur l'île grecque de Crète. Je pense avoir mentionné que j'y étais allé en vacances avec ma famille. D'habitude, lorsque l'on parle d'une famille, cela suppose en général qu'il existe un mari et une femme. Si un homme dit qu'il passe des vacances en famille, peu importe l'endroit, dans un cas normal, il veut généralement dire qu'il l'a fait en compagnie d'une épouse légitime, et bien entendu de ses enfants, pour autant qu'il y ait des enfants. Vous ne pouvez pas me provoquer. Je suis insensible aux provocations. Récemment, j'ai suivi un cours où on apprend à ne pas réagir aux provocations. Quel que soit leur degré de provocation, rien de ce que vous pouvez dire ne peut me faire réagir. Je suis décidé à poursuivre mon travail, indépendamment de la façon dont vous vous comportez. C'est absurde d'essayer. Je veux juste vous en informer. J'en ai rien à foutre de votre femme et de vos gosses, vous non plus. C'est
C'est vrai. C'est exact. Vraiment. C'est-à-dire que je dois les laisser en dehors de la tâche que j'ai à remplir, si je veux pouvoir la mener à bien, aussi consciencieusement et rigoureusement qu'il le faut. C'est quand même pour eux, pour qu'ils se sentent en sécurité et tranquilles, que nous faisons ce que nous devons faire. Qu'avez-vous écrit ? J'ai écrit « violon ». Le mot « violon ». Oui. Vous pouvez écrire n'importe quoi. Allez-vous jouer du violon avec vos enfants ? Non. Non, non. Je ne joue pas de violon. Malheureusement, je ne suis absolument pas musicien. Mais vous, vous avez joué du violon dans votre jeunesse. Vous étiez membre d'un quatuor à cordes, n'est-ce pas ? Je ne m'en souviens pas. Comment pourrais-je m'en souvenir ? Vous ne vous en souvenez pas ? Étonnant. Oui, n'est-ce pas ? Difficile de trouver une personne qui ne s'en souviendrait pas qu'elle ait fait partie d'un quatuor à cordes. Alors vous ne vous en souvenez pas ? Non. Malheureusement, il s'est passé quelque chose avec ma mémoire. Vous rappelez-vous que vous avez demandé un violon il y a quelques années ? L'avez-vous eu ? Oui, je crois. Quoi donc ? Que j'ai eu un violon ? Bien. En avez-vous joué ? Non. Pourquoi non ? Pourquoi demandez-vous ça ? Je sais pas. Pourquoi n'en avez-vous pas joué ? Maintenant, je me souviens. Quoi donc ? Pourquoi je n'en ai pas joué ? Oui ? Ils avaient retiré les cordes. Du violon ? Toutes ? Toutes les cordes ? Pourquoi auraient-ils laissé une corde quand ils avaient retiré les autres ? Oui. Peut-être une mesure de sécurité. Pour des raisons de sécurité. Ils voulaient peut-être vous empêcher de fabriquer quelque chose avec les cordes qui vous permettrait ensuite de vous y pendre. N'était-ce pas cela que vous aviez en tête, d'échapper à votre sanction ? Il n'y a pas de son. Ici. Pas de son. Pas du tout de son. Je voulais entendre des sons. Quel genre de son ? Simone Veil n'était pas catholique. Qui ? Simone Veil ? Non. Elle a dit que si on affichait un avis sur les portes de l'église, interdisant l'entrée à tous ceux dont le revenu dépassait une certaine somme, assez peu élevée, elle se convertirait à l'église catholique. Ah, était-elle communiste ? Elle était juive, qu'aurait-elle pu être d'autre ? Vous identifiez-vous à elle ? Et vous ? Le faites-vous ? Bien entendu. Comment ça ? C'est la seule chose qu'on puisse faire en Allemagne aujourd'hui si on veut être une personne décente. Ressentir la honte de ne pas être juif. Les trains continuent à rouler vers les mêmes gares. Vous êtes psychiatre, n'est-ce pas ? Psychiatre ? Psychiatre nazi ? Si on s'en tenait à un sujet à la fois, les épuiser un par un. Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis psychiatre ? Vous préférez quoi ? Voir et entendre la façon dont les autres sont torturés ? Ou torturer vous-même ? Non, je ne suis pas psychiatre. Je suis docteur en médecine, un spécialiste des maladies cardiaques. Avez-vous eu des problèmes au cœur ? Un fonctionnement irrégulier du cœur ? Des douleurs aiguës passagères ? Faites-vous de l'exercice régulièrement ? Dormez-vous bien ? Combien d'heures estimeriez-vous dormir par nuit ? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Pourquoi donc ? Je veux aller aux toilettes. Pourquoi donc ? Pourquoi ? Pissez sur la moquette, ne vous gênez pas. J'ai vu de tout. Rotner reçoit 80 mg de séconal chaque soir. Sinon, il ne fait que rester couché et crier. Il est plus capable d'accepter la réalité dans laquelle il se trouve. Bientôt, nous allons devoir encore augmenter la dose ou ne plus du tout lui en donner. Il est aux chiottes pour le moment. On appelle ça les chiottes parce qu'on y place les personnes tellement traumatisées par leur situation en isolement total qu'elles ne peuvent même plus retenir leurs excréments. Elles ont complètement perdu le contrôle de leurs fonctions physiques et psychiques. Il est couché sur une civière avec une protection plastique. Nu. Un garde est assis en face de lui, de l'autre côté de la porte. Il observe jour et nuit par la vitre blindée. Sauf quand il feuillette le journal en buvant son café. Ce n'est évidemment pas le même homme qui l'observe jour et nuit. Ce serait trop fatigant. Une équipe de 4 personnes se relaie.
Chacune prend en charge un quart de la journée. Ça vous intéresse de le voir ? Voulez-vous voir la personne sur la civière, je veux dire ? Pas la personne qui la surveille en ce moment. Il est possible que vous ne le reconnaissiez pas. Mais ils peuvent vous dire qui il est. Bien entendu, c'est hors de question. Vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pourrez jamais le revoir vivant. Humainement parlant, ce qui se passe ensuite après la mort nous échappe. Voulez-vous en savoir plus ? Oui. Oui. Que peut-on dire ? On l'a amené ici il y a 3 semaines, un dimanche, à l'heure du déjeuner. Il faisait beau. Le soleil brillait. Il a traversé la cour intérieure entre 2 hommes de la sécurité, seulement vêtus d'un grand linge, les menottes aux mains et aux pieds aussi. Évidemment. Vous intéressez-vous au théâtre, au film, à la religion ? Y a-t-il une musique que vous souhaiteriez entendre dans les haut-parleurs ? Du baroque français ? Du Lully ? Debussy ? Voulez-vous que l'on prenne des gardes de vous lire Corneille ou Racine ? La France est un pays magnifique. La culture française, j'adore la France. J'y séjourne régulièrement, au moins une fois par an. D'habitude, je passe au moins 2 semaines de mes vacances en France. Ma femme vient de là. Elle vient d'une petite ville qui s'appelle Chinon. À Chinon, on produit un vin qui s'appelle aussi Chinon, un vin de table, agréable, excellent à boire au déjeuner. Parce qu'il n'est pas tellement fort. Chinon se trouve à peu près à 20 km de Tours, dans les pays de la Loire. Le célèbre artiste français Georges de la Tour vient de Tours. Je l'y ai rencontré. Ma femme, lors d'une étape d'un voyage organisé par ma classe de droit. J'avais 22 ans. Savez-vous qui je suis ? Sais-tu qui je suis, petite conne ? J'ai 43 ans. Je n'avais que 3 ans quand mon père est mort, quand la Seconde Guerre mondiale a pris fin. J'ai 2 enfants, 2 garçons. Je les adore. Il m'adore. M'adores-tu ? Toi ? Oui. M'adores-tu ? La lumière te gêne-t-elle ? Comment ça ? La lumière. As-tu la lumière dans les yeux ? Veux-tu que je dirige la lampe un peu vers la gauche ou la droite ? Non. Non ? Ni à gauche, ni à droite ? Non. Quoi alors ? Non. Dirige-la un peu vers le haut, s'il te plaît. Vers le haut ?
Alors, ça va comme ça? Encore plus, comme ça. Merci. Ça va comme ça? Oui, ça va. Tac. Il n'y a pas de quoi. Où en étais-je? Je ne sais pas. Moi non plus. J'aime ceci. J'aime beaucoup ceci. Vous aimez? Oui, j'aime ça. J'aime. En 1973, quel président sud-américain a promu Augusto Pinochet, chef de l'armée? C'est une question médicale. Une question médicale, comment ça? Vous êtes médecin. C'est exact, je le suis. Je suis médecin. Êtes-vous vierge? Non, je suis à Essen. Et votre maman est-elle aussi à Essen? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de contact avec elle depuis longtemps. Avec votre maman? Non. Est-elle aussi vierge? C'est important. Important, pourquoi? Pour vous. Pour moi? Pour moi? Tout est important. Quelle serait votre préférence si vous aviez la possibilité de choisir que j'introduise dans votre œil l'index droit ou la bite? Pas de réponse. Vous pouvez pas répondre? Vous voulez pas répondre? Alors, répondez à ceci, c'est peut-être plus facile. Vous portez la responsabilité morale d'avoir tué et mutilé un homme. Qu'allez-vous dire à ses enfants et à sa femme? Pardon? Vous n'avez peut-être pas tant de choses à dire. Voulez-vous faire une petite pause? Oui. Parfait. Comment ça va? Bien.
Merci. Parfait. C'est agréable de faire une petite pause de temps en temps. Je vous fais une confidence. Votre père m'a écrit une lettre. Mes cheveux me manquent. Votre père m'a écrit une lettre personnelle, un peu étrange, je ne le connais pas. Dans sa lettre, il parle de sa foi. Il croit en Dieu, il était pasteur, maintenant il est à la retraite. Cheveux vous manquent-ils? C'est la première fois que je vous rencontre. Je ne vous ai jamais rencontré. Auparavant, j'ai été assez curieux d'en savoir plus sur vous. J'ai presque ressenti un désir de pouvoir vous regarder et vous parler. On peut sans doute décrire ça comme une sorte de désir, c'est-à-dire un désir de pouvoir être seul avec vous, et vous voir, et vous parler. C'est la première fois que vous me rencontrez ? La première fois ? Oui, absolument, c'est la première fois. La première fois, j'en suis certain. Ce n'est pas la première fois. Je ne sais pas. Ça doit l'être. Ce n'est pas. Je ne sais pas. Qu'allez-vous faire maintenant? Maintenant, je vais vous demander de vous lever et d'aller vous coucher sur la banquette là-bas, puis je veux que vous déboutonniez votre blouse. Auriez-vous l'amabilité de vous lever et d'aller vous coucher sur la banquette là-bas, puis de déboutonner votre blouse? Parfait. Elles sont peut-être un peu froides maintenant. Oh. Voilà. Alors je pense que tout est en place. Ensuite, je vais juste prendre votre tension artérielle. Après, il ne reste plus grand-chose à faire. Oh. Ça se passe vraiment bien. Sont-elles froides ? Vous avez envie de me toucher. Toucher ? Oui, vous en avez envie. Me toucher, que voulez-vous dire ? Vous n'en avez pas envie. Je comprends pas. Me prendre, me caresser. C'était cela que vous vouliez dire ? Oui, prends mes seins, caresse-moi. Je peux pas, c'est impossible. Oh, aussi fort que tu peux ! Espèce de porc ! Non, non. C'est impensable. Hors de question. Contraire à l'éthique.
C'est impossible. Pensez à ma famille, mes fils, mes collègues de travail. Je perdrai immédiatement ma qualité de médecin. Je peux tout perdre. Ils le verraient, hein. Vous me verriez le faire, je le verrais. Cela ne pourrait jamais être effacé. Je serais obligé de vivre avec ça toute ma vie. Je ne pourrais pas vivre avec ça. Mes fils ne pourraient pas vivre avec ça. Mon père se détournerait de moi avec raison. Ce serait comme baiser un animal. Vous êtes un animal, vous comprenez? Vous êtes un animal criminel. Je suis un être humain, et un être humain ne peut pas s'accoupler à un animal. Allons-nous continuer? Oui. Voulez-vous que nous continuions? Oui, bien entendu. Alors nous continuons. Vous voulez pas faire une pause? Non. Alors nous continuons. Vous pouvez aller vous rasseoir. Puis-je avoir une cigarette? Désolé, je n'ai pas de cigarette. Il demande la permission de venir vous rendre visite. Qui? Votre fils? Non, votre père. Parlons de votre père. Je parle tout le temps de votre père. Ne remarquez-vous pas? Cela fait un bon moment que j'essaie de parler de votre père, pas de mon fils. Mon fils. À 9 ans. Si tout est comme ce devrait être, pourrait être, si rien d'inattendu ne s'est passé depuis le moment où je l'ai quitté, aujourd'hui il est probablement couché dans son lit. À cette heure-ci, il dort, c'est ce qu'il devrait faire. Dormir paisiblement, en sécurité. Respirer librement, pourquoi ne le ferait-il pas? Sa famille le protège de tout le mal qui l'entoure, il le sait. Il sait que rien ne lui arrivera tant que son père remplit ses devoirs aussi consciencieusement qu'il le peut. Une petite lampe de porcelaine blanche lui au-dessus de son chevet. Il porte un pyjama à rayures bleues. Il est couché sur le côté gauche comme toujours, avec les jambes recroquevillées, comme s'il voulait sauter. Sur le plancher, au pied du lit, se trouve son grand réseau de trains miniatures. Il l'a en grande partie hérité de son grand-père, qui adorait, vraiment adorait, le faire marcher les rares fois où il rendait visite à la famille, quand il était en permission en dehors de son travail oppressant. Il y a joué toute la journée, il a placé les rails, les wagons, les gares, les quais, les bergers allemands, les soldats, les clôtures éclairées par des lampes fortes. Et ceux qu'on débarque des trains dans un grand paysage ressemblant à l'ombre, on est fasciné. Cela semble tellement réel, c'est tellement réel. On est fasciné. Tout est comme ce doit être, seulement en miniature. Il y jouera de nouveau le jour suivant. Il y a un petit détail qui me frappe. Quand les trains ont livré leur chargement, on peut trouver dans certains wagons des petits livres de Goethe et Schiller ou des petites chaussures et des montres et des portefeuilles. Mais comme je l'ai dit, maintenant il l'a laissé là, demain il jouera de nouveau. Il a tous ses horaires et ses transports en tête, quelle que soit la complexité du projet, il fonctionne presque toujours. Tous ceux qui doivent atteindre leur destination arrivent aussi au moment prévu. Même si de temps en temps, quelques trains peuvent être obligés d'attendre au terminus, car le déchargement peut prendre un peu plus de temps que prévu. D'habitude, je vais dans sa chambre quand je reviens du travail, fatigué, sans force, vidé, lessivé. Pourquoi? Parce que j'ai consacré une si grande partie de mon temps à des gens qui n'ont pas d'âme, seulement de la mesquinerie, de l'avarice, de l'ambition, des gens qui détruisent la société par leurs complots et leurs envies. Celui qui n'a pas vécu ça ne peut pas comprendre les difficultés auxquelles on est confronté. Après un moment, je ne peux plus parler. Je ne peux presque plus ouvrir la bouche. La sueur perd sur mon front, sur tout mon corps. Je pense qu'il est difficile de respirer normalement.
Après les entretiens que je dois avoir avec eux, je remarque que j'ai fait pivoter presque sur elle-même la chaise sur laquelle je suis assis pour les quitter. Et ne pas être obligé de voir leur monde. Je suis complètement épuisé. Je rentre à la maison où je garde la voiture sous le platane, il pleut vite. Vous savez, comme il pleut toujours à Cassel. Je monte les marches de notre maison. Ma femme dort. Je vais dans la chambre d'enfant. Là, mon fils est couché dans son lit. Il ne sait encore rien sur la perversité du monde, rien de ce qu'il apprendra bientôt. Je m'assieds sur son lit, je prends sa main, j'écoute sa respiration. Je chuchote son nom, j'éclate en sanglots, je le reconnais, je pleure, sans mesure ni contrôle. Pleure quand je pense à... aux expériences qui l'attendent et qui très bientôt le banniront du monde sécurisant et bon auquel il s'était habitué. Quand je pense à toute l'humiliation et la barbarie qu'il nous faudra affronter pour la simple raison qu'il doit grandir. Oui, oui, alors là, je dois pleurer. Qui deviendra-t-il? Qui en fera un autre que celui qu'il est aujourd'hui? Combien de déceptions et de tromperies va-t-il devoir connaître? Pourquoi va-t-il devoir subir la cruauté du monde pour devenir un homme? Pourquoi va-t-il devoir vivre? Pourquoi? Pourquoi vont-ils devoir vivre et mourir? À Cassel. À Cassel? Non, pas à Cassel. Je crois pas qu'il restera à Cassel quand il sera grand. Je crois qu'il quittera Cassel, il ira vivre ailleurs. Pourquoi? Je sais pas. Mais j'avoue que... je pleure quand j'y pense. Il n'y a aucune alternative. Tôt ou tard, il faut que... qu'un fils quitte sa mère et son père. Pardon. J'ai juste encore quelques questions. Du reste, puisque nous en parlons quand même, qu'est-ce qu'on ressent quand on tue quelqu'un? La guerre, c'était la guerre. Qu'est-ce qu'on ressent après? Dites-moi. Ce qu'on ressent. 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 Vide. 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 Comment ça? Vide. C'est tout. C'est tout, c'est ce que vous voulez dire? Non. C'est ce qu'on ressent, c'est tout? La première fois, c'est tout, la première fois. Vide, vide, vide. Comme après un Covid, peut-être. J'ai vomi. Vomi? Les deux, après les deux fois. Laquelle était la pire? C'est souvent pire pour la fille, disent-elles, disent les femmes. Quel âge aviez-vous? J'ai la guerre. J'ai pourtant dit que c'était la guerre. Quel âge aviez-vous, je veux dire? Quand vous avez couché pour la première fois, quel âge avez-vous quand vous avez montré votre entrecuisse à quelqu'un pour la première fois? Était-il professeur de sociologie et de sciences politiques à l'université de Francfort? Quel âge avait-il? Simple question de routine, il faut que je pose ces questions. Vous comprenez, je suis qu'un employé, je n'ai aucun intérêt personnel à connaître les réponses! Les réponses ne signifient rien pour moi! Ça rentre et ça sort. Ce que vous répondez n'a aucune importance pour moi. Je sais même pas ce qu'on fait des réponses. Comment pourrais-je le savoir? Vous aimiez ça? Oui. Vous aimiez l'agitation autour de vous? L'attention? Être le centre d'intérêt? Les photographes? Les caméramans? Les journalistes? Les voitures blindées? La traque? L'hystérie? L'exaspération? Vous aimiez? Être traqué, épuisé, arrêté, enchaîné, vous déshabillé dans des lieux publics, emmené comme ces précieux chevaux de course sur lesquels, en mettant des couvertures pour qu'il n'ait pas froid après la course, vous aimiez les parades d'identification, les procès, les juges, le silence, isolement, les tombes, vous aimiez mourir? C'était la guerre. Mon père a un élevage de volailles. Un élevage de poules à la campagne, situé à environ 30 km de Koblenz.
Savez-vous combien de poules il a? Il a 5000 poules dans un enclos de 500 mètres carrés. Savez-vous ce que c'est? C'est un camp de concentration pour poules. Votre père? Mais oui, mon père! Vous avez dit qu'il était mort? Qui? Votre père. Qui est mort? Votre qui? Père, vous avez dit qu'il était mort! Mon père? Ouais, mon père est mort. Votre père est vivant. Mon père est mort quand j'avais environ 2 ans. Je suis certain de l'avoir dit, je parle de mon oncle Willy! Il était comme un père pour moi. Je l'appelle père quand je le vois. Il a 72 ans. Il était adjudant auprès d'Edmundheim à Breslau. Son père le battait à la moindre faute. Et son frère l'enculait régulièrement et sans pitié. Et sa sœur. Sa sœur. Voilà, je ne me rappelle plus de son nom. Elle avait un pensionnat dans une petite ville de la vallée de la Moselle quand elle travaillait. Maintenant, elle est veuve. Elle disait toujours que les jeunes officiers qu'elle fréquentait de temps en temps dans les mêmes milieux à Munich étaient les hommes les plus charmants qu'elle ait jamais rencontrés. La seule chose à laquelle elle pouvait penser quand elle pensait à eux était leur charme fou. Le porter des jugements n'était pas son affaire. Un tel charme ne se trouve plus, disait-elle. Il appartient également à un temps révolu. Un jour, mon père a vendu notre piano à queue, un Steinway. Il voulait payer une fourrure à sa maîtresse. Il m'a obligé à commencer le violon quand j'avais 4 ans. C'est ainsi que j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme. Par la musique, elle était violoniste. On s'est rencontrés pour la première fois à Chinon, en France, dans la vallée de la Loire, lors d'un séminaire d'été pour jeunes musiciens prometteurs, dans un très beau petit château. Mais pour le moment, nous ne parvenons malheureusement jamais à nous consacrer à la musique. Pas de musique du tout, c'est ennuyeux. Nous nous disons à quel point cela nous manque, les moments où nous jouions ensemble. Et nous avons beaucoup trop à faire. Le temps manque toujours. Il manque pour Beethoven. Votre père demande s'il peut venir vous voir bientôt. Il demande combien de temps cela va prendre avant qu'il puisse vous voir. Non. Je ne veux pas! Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Je ne veux pas le voir. Non? Est-ce que vous voulez voir que moi? Oui, que vous. Ne voulez-vous voir que moi? Oui, que vous. Bien que je ne ressente rien pour vous? Oui. Et ne ressentirez jamais rien? Oui. Et cela qui vous attire? Je ne sais pas. Quoi donc? Le fait que je ne ressentirai jamais rien. Qui êtes-vous? Qui je suis? Oui, qui êtes-vous? Ouais. Qui est-on en réalité, en fin de compte? Quoi donc? Je ne sais peut-être pas qui je suis. Et je sais où je suis. Je suis dans mon bureau. Ceci est mon bureau. Ceci est mon mobilier de bureau. Ma lampe de bureau. Ma chaise. Mes armoires avec les archives. Mes dossiers, mes notes, mes papiers. Mes photos. Les hommes que vous voyez sur les photos au mur sont mes professeurs. Ce sont mes certificats et diplômes qui pendent derrière moi à gauche, là. Là. Là, 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 là. Le fauteuil qui se trouve là-bas est aussi à moi. Cuir noir, cuir véritable, il est italien. Il sent quand le temps change, presque comme une personne. Je peux m'étendre dessus, presque comme une personne. Comment? Je fais simplement basculer le siège vers l'avant pour qu'il devienne comme un lit, quand je sens que j'ai besoin de m'allonger, de fermer les yeux, de me remettre. De temps en temps, j'ai besoin de m'évader, de laisser mes pensées se fixer sur tout à fait autre chose. Mon travail est épouvantable, insurmontable. Ne prend jamais fin. N'a aucune fin. Nettoyer le monde, c'est exigeant. Prendre les décisions pour rendre le monde propre à nouveau de la façon la plus rapide, la plus efficace, mais aussi le meilleur marché, cela ne te quitte pas quand tu rentres chez toi à 6 heures. Quand tu rentres chez toi, près de ton fils. C'est vrai, j'ai un fils. Il aura bientôt 7 ans, il est normal, intelligent, patriote. Je l'ai éduqué pour qu'il devienne un bon citoyen, conscient de son devoir. Je tiens à ce qu'il s'intéresse à la culture et au sport, et surtout à l'histoire, l'histoire de son pays. Nous sommes en démocratie depuis bientôt 30 ans, c'est magnifique. À quoi cela a-t-il mené? À de l'espace et de la liberté pour des gens comme vous! Au terrorisme!
J'espère qu'il ne me traitera jamais avec la cruauté et le manque d'égard dont vous faites preuve envers votre père. Vous voulez même pas le voir. Ne comprenez-vous pas à quel point tout ceci l'a éprouvé, lui et sa famille, les plus jeunes? Comment pourrait-il l'être après tout? Vous avez 32 ans. Il peut mourir d'un jour à l'autre. La seule chose qui le fait tenir, c'est sa foi inébranlable. Il est pasteur, il croit en Dieu. Je crois aussi en Dieu. Je crois que Dieu est en moi en ce moment. Je crois que Dieu parle à travers moi en cet instant. Quand j'accomplis ma dure mission. En Dieu, je n'ai aucune liberté. Celui qui croit en Dieu ne peut faire que ce qui est bien et juste. Et c'est pour ça que nous ne douterons pas. Que nous ne serons pas dévorés par des scrupules. Savez-vous ce que votre père écrit? Votre père écrit qu'il a récemment commencé une collecte pour payer un traitement de vos dents. Vos dents. Vos dents, qu'est-ce qu'elles ont, vos dents? Vous les perdez? Combien en avez-vous perdu? Combien vous en reste-t-il? Demande combien il vous en reste des dents dans la bouche. Croyez-vous que je ne veux pas de réponse à mes questions? Croyez-vous que je pose des questions auxquelles je n'attends pas de réponse? Croyez-vous vraiment ça? Croyez-vous que j'ai envie de perdre mon temps? Ouvrez la bouche. Je me vois dans l'obligation de compter vos dents moi-même. Merci. Vous puez le pourri, vous puez le con. Dix dents, c'est assez, pourquoi faites-vous tant d'histoires? Ne savez-vous pas que c'est la guerre? Je veux plus de légumes. Plus de légumes. C'est la guerre. Quand je demande de l'eau, je reçois du Coca-Cola. Le Coca-Cola est une boisson formidable, c'est un des produits les plus vendus dans le monde. Nous venons de perdre une guerre mondiale pour avoir la liberté de boire du Coca-Cola. Savez-vous où vous êtes? Oui. Où êtes-vous? Dans votre bureau. N'y suis-je pas? C'est vous qui devez répondre aux questions, pas moi. Quel jour est-on aujourd'hui? Dimanche. La date? Le 23 mars. Mars? Le 23 mars 1974. Nous ne sommes pas en mars, nous sommes en juillet. Juillet? Oui, bien entendu, nous sommes le 17 juillet. Nous sommes le 17 juillet 1992. C'est l'été, pas le printemps. L'été? Le plein été. Il fait 36 degrés à l'ombre, il fait plus de 30 degrés depuis bientôt 2 semaines. On a un climat quasi tropical. La température ne descend pas au-dessous de 20 degrés la nuit. Dans ces conditions, on a un climat tropical. Le paysage est déjà brun et desséché. Les champs de blé sont moissonnés. La chaleur fait miroiter les monts et vallées dans la brume lointaine. Les nappes d'eau rétrécissent. Les usines sont fermées comme les écoles. Les congés annuels ont commencé la semaine dernière. Il y a eu quelques problèmes dans le col du Brenner. Et le tunnel des retards. Oui, les autoroutes sont presque bloquées par les vacanciers en route pour la Riviera et la Toscane. Les gens qui n'ont pas les moyens de partir en vacances recherchent l'ombre des tilleuls et des platanes dans différents parcs. Le soleil vient juste de se coucher. Légèrement rose dans la brume blanche. Il fait bientôt nuit. Allons-nous continuer? Tuez-moi. Allons-nous continuer à parler de votre père? Ne pouvez-vous pas me tuer? Vous tuer? Oui. Malheureusement. Je vous en prie. De vous tuer? Oui.
Comment cela arriverait-il? Vous êtes médecin? Le suis-je? Vous l'avez dit? Que je suis médecin? Oui. Ne pouvez-vous pas me donner quelques comprimés qui me tueraient? Si, je peux. C'est évident, mais je n'en ai pas le droit. Nos dispositions étatiques n'autorisent pas la peine de mort. Vous allez rester ici encore 20 ans. Où en étions-nous? Oui. Comment s'appellent les autoroutes allemandes où on peut rouler aussi vite que l'on veut? Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Qu'avez-vous dit? J'ai dit comment s'appellent les autoroutes allemandes où on peut rouler avec son véhicule aussi vite que l'on veut. Avez-vous compris la question? Oui. Bah répondez alors. Elle s'appelle Autobahn. Souvenez-vous qu'à l'âge de 12 ans, vous étiez dans un véhicule sur l'Autobahn avec votre père qui était pasteur. Assis sur le siège du conducteur à côté de votre maman avec deux de vos trois frères et sœurs. Un troisième, un frère plus âgé, était resté à la maison pour améliorer ses connaissances en latin pendant l'été. Il n'a pas pu vous accompagner. Vous avez traversé l'Allemagne pour passer les vacances à Venise. Vous en souvenez? Non. Vous aviez 12 ans. 12 ans? Vous aviez coupé vos longs cheveux. Non. Vous aviez les cheveux courts. Vous vouliez avoir la coiffure d'Audrey Hepburn. Qui? Audrey Hepburn, une star américaine de cinéma qui a joué dans le film Vacances romaines. Son partenaire était la star américaine de cinéma Gregory Peck. Était-ce lors de ce séjour à Venise que vous avez eu votre premier contact avec les idées judéo-marxistes? Était-ce à ce moment-là que vous avez commencé à lire des auteurs marxistes? Lisiez-vous Franz Fanon, Jean-Paul Sartre, Cohn-Bendit, Régis Debray, Georges Lukács? Ne lisiez-vous pas Georges Lukács? Comment cela se fait-il? J'avais 12 ans. Vous étiez capable de lire? J'avais 12 ans. Je lisais des hebdos. Je prenais des bains de soleil. J'avais un maillot de bain blanc. J'étais amoureuse d'un garçon. Était-il marxiste? Il avait 17 ans. Le garçon dont vous étiez amoureuse, j'ai demandé s'il était marxiste. J'avais 12 ans. Nous habitions à Piézolle. Ce n'était pas à Venise. C'était à Florence. À Florence, en êtes-vous certaine? Ce n'était pas à Venise. C'était Florence, évidemment. J'en suis certaine. Vous auriez dû vous en souvenir si vous y aviez été, le musée de Donatello. Oui, je crois. Qu'en pensiez-vous? J'avais 12 ans! Savez-vous où il est né? J'avais 12 ans. Savez-vous quand il est mort? J'avais 12 ans. Parfait, alors je n'ai plus de questions. Qu'avez-vous dit? Alors je n'ai plus de questions. Nous avons fini. L'examen est terminé? Terminé. Oui, nous avons terminé. Je vais juste demander aux gardes de venir vous chercher. Oui, oui, et vous alors? Moi? Oui, qu'allez-vous faire? Allez-vous rentrer à la maison? À la maison? Je n'ai pas de maison. Pas plus que vous. Nous n'avons pas de maison. Aucun de nous ne va rentrer dans une quelconque maison. Il n'existe plus aucune maison dans laquelle nous puissions rentrer. Qui fut ce qu'on appelle d'habitude une maison, bien que qu'elle fût délabrée et provisoire, n'est plus aujourd'hui le fond de ce qui fut un jour une mer quelque part. C'est du sable et de la boue séchée,
Ce n'est plus que désert à présent. Dur et nu. Silencieux et froid comme l'espace. Épouvantable. Sans fin, sans vie. Sans sentiment. Sans mémoire, mort. Vous ne le savez pas ?